Bonjour à tous et bienvenue sur Adeus TV, on se retrouve pour ce 11e épisode sur Craft the World et en pleine attaque. Donc on va sonner l'appel, même si on voit que a priori la tour Tesla fait son job. Et en plus j'ai un camp de gobelins juste à côté. Pour l'instant, ça a l'air de bien gérer sans l'aide des nains. La tour, c'est quand même hyper efficace. Bon, ça se passe vraiment tranquillement, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que ce soit presque aussi simple. Le matin devrait pas trop tarder à se lever. On va attendre que ça se lève tranquillement, qu'ils disparaissent et on va aller détruire le pont qu'ils ont tenté de former. Bon, ils ont l'air un petit peu buggés quand même, je dis pas, mais normalement ils sont quand même censés attaquer. Voilà, le matin se lève. C'est un peu tard les gars là. Voilà. Allez, allez me détruire tout ça les gars. Et on va se faire le camp, tant qu'à faire. Donc être réunis. Ah mais il y a le boss, d'accord. Ah mais il a disparu. Ok, impeccable. On va profiter pour aller chercher tout ça. Tant qu'à faire. On va détruire ça. Évidemment. On va ouvrir la porte là, c'est bon, c'est ouvert aussi. Allez. Donc au niveau de l'équipement, on y était presque, on était quasiment bien. J'ai encore une armure en mithril. Des bottes, j'en ai plus. Lui c'est un archer, là on est en or, là aussi. Lui c'est le mage. Ouais, je pourrais en faire deux de plus, ce serait pas du luxe. Je sais pas où j'en suis au niveau minerai. D'accord, j'ai plus rien en lingot. Je peux en faire 11. On va tout faire. Parce que j'ai un peu de mana dispo, a priori. Oui, un petit peu. Pas des masses, mais on va enlever l'échafaudage là. Ouais, je sais, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Voilà. Du coup, là, il n'y en a plus besoin. Ok. À manger, ils en ont. Si je pouvais trouver encore un tout petit peu de mithril, ce serait sympa. Je pense que j'ai quand même écumé pas mal le niveau. On voit sur la minimap, hein, il n'y a plus beaucoup de zones non découvertes. Ah, un livre de mineur, pas mal. Là, il y a de l'or. Il y a de l'or ici. On va rajouter une petite lampe de mineur. Yup là. Non. Hop, l'échafaudage ici. Là, là, on va arriver au bout. Je pense, on va pas être loin du bout. On va finir de creuser tout ça.
Le temps de fabriquer ce qui nous manque au niveau des armes. Je pense que on n'est pas trop mal. De l'or, du mithril, de l'or. Ah, j'ai encore un peu de l'argent. Là, j'ai de l'acier. Une épée en argent. Voilà. Je pourrais peut-être en faire en or encore. Je ne sais pas ce qui me reste en minerai. Lingot, ok, j'en ai 5. Mais je peux en faire qu'une. En même temps, on vient d'en trouver de l'or. On va la faire. On en trouvait là. Donc, on peut se permettre d'en dépenser un petit peu. Il faut en garder pour faire les éléments de portail. Ce serait dommage de ne pas pouvoir valider le niveau à cause de ça. Là, on a à peu près tout trouvé. Ok, ils ont fini de détruire tout ça. Et puis, on va s'occuper des boss. On va s'occuper des boss. On va faire le plastron. Ah oui, ça consomme de l'or aussi. J'avais oublié ça. J'avais oublié ce détail. Ok. On va éviter de trop consommer. On a vu que ça s'était plutôt bien passé la dernière fois sur les niveaux des boss. Donc on va commencer à ouvrir la porte par ici. Récupérer le maximum de minerais. Alors, on a 40 minutes devant nous, la dernière attaque s'est plutôt bien passée, donc on est large, niveau santé on a l'air bien, équipement, toi du coup on va te passer en mithril. L'armure en argent on va te mettre en or du coup, toi armure en argent. Ok, il n'y en a qu'un qui est en armure en argent. On peut le passer en or aussi. Et voilà. Ah, non, ça c'est normal. C'est un mage. L'archer, pareil. Ouais, bah on est bien. Là, on est très très bien. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Est-ce que l'arme a été fabriquée déjà ou pas? L'épée, non, pas encore. Alors ça c'est fait. Là, c'est là que je voulais aller. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, lui il est bloqué depuis un moment. Je sais pas trop ce qui lui arrive. Est-ce que je peux lui dire d'aller se reposer par exemple? Ah mais ils sont deux, d'accord. Aller manger, ok. Bon, ils étaient bloqués pour pas grand-chose en fait. Juste parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. D'où il arrive lui? D'accord. J'ai des zombies qui se baladent comme ça. A priori là j'avais tout fermé. Bon. C'est juste qu'un petit zombie donc c'est pas trop dangereux. Ok. On va mettre. Est-ce que je peux mettre un panneau? Je sais plus où ils sont les panneaux. Là. Panneau ici. Et si on ouvre. Voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai pas trouvé de mithril.
En dessous, j'ai pas trop creusé. Encore. Est-ce qu'il y en a un qui va aller mourir? Cet emplacement. Oui. Ok. Casse-toi maintenant. Voilà, super. Impeccable. Donc j'ai ouvert le passage. Donc on va faire l'appel tout de suite. Où es-tu? Là. On va sonner l'appel ici. On va enlever le panneau. On va attendre qu'il se regroupe. On va mettre un portail ici. Ils sont tous en haut, donc ils vont utiliser le portail normalement. Ou pas, d'accord, ok. Ils y vont à pied, super. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible, quoi. Ils s'en vont, ils reviennent. Rassemblement, les gars. Allô? Ils font des allers-retours, là. Ils s'éclatent. C'est pas que ça consomme du portail, mais un peu, quand même. Ils consomment des secondes de portail, je sais pas pourquoi. Non, mais revenez. Voilà. Non, tu t'en vas pas. Ok, allez. Ils sont quasiment tous là. Qui me manque? Il manque un guerrier. T'es qui, toi? Fafur. C'est un mineur. Ok. Ok, ils sont tous là. On va attendre que la grosse bébête revienne de ce côté-là. A priori, il a pas envie. Bon, mais go, hein. Allez, on y va. Le fait qu'il soit sur la plateforme, ça ne m'aide pas des masses. Ok, trop cher quand même. Heureusement, la porte du donjon s'est pas ouverte. Ok, super. On va récupérer une partie du portail à fabriquer. Faut que je me refasse des lampes. En même temps, je peux poser des torches. Ça doit m'en rester. Alors, des torches. Ouais, 8, super. On va pas aller bien loin, mais bon. Éclairez-moi cette zone. Récupérer tout ça. On va enlever la pelle du coup. On récupère du mithril, ça c'est cool. On va leur poser des échafaudages. Allez, action les gars. On se bouge. Alors du coup on va voir si on peut pas se fabriquer. Je manquais d'or. Bon, à chaque fois il faut des lingots d'or. Donc on va se préparer les lingots. Bon, je peux en faire 6. Ah, c'est le charbon qui va me manquer. Du coup on a vu qu'on pouvait en fabriquer du charbon. Si j'ai assez de bois. Ça consomme 3 bois à chaque fois, c'est assez gourmand. Bon, ça on devrait pas trop en manquer. On va pouvoir en récupérer assez facilement. On va récupérer tout ça. Et le donjon. Ok, ils ont pas l'air motivés, mais pour un sou ce soir. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu me fais? Ne fais rien. Oui, ça j'avais bien vu. C'est cool. Tu pourrais creuser quand même. Non? J'ai donné des ordres, il y a des choses à faire. Bon, ça n'a pas l'air de trop l'intéresser. Ouais, ils ont peut-être tous la dalle. Ils sont peut-être fatigués aussi, du coup. C'est peut-être pour ça. Ouais, ils sont tous un peu... Ah, lui, il n'est pas bien du tout.
Ok, voilà, lui va se reposer, c'est normal. Lui ça va. Tous les autres ça va à peu près quand même. Ok. Ben, va te reposer, fais quelque chose quoi. Ok. Bon, il était bugué en fait. Fait que je lui donne un ordre pour qu'il fasse autre chose. Des fois, il bloque un peu, on comprend pas trop. On va récupérer l'or qui est ici. On va poser une échelle là. Ok. Donc, encore un donjon de fée. Du coup. Éléments de portail. Où est-ce qu'ils sont? Là. Ok. On va pouvoir en fabriquer un déjà. Alors, cristal rouge, cristal sombre. Acier. Acier. De la pierre et de la pierre. Le lingot d'or et de l'acier. Voilà. Du coup, paf. Il vient se placer au bon endroit. J'ai récupéré 30 pièces d'or, ça c'est cool. On va essayer de fabriquer la deuxième partie. De la pierre, de l'acier. Je vais manquer d'acier. Du mithril, de l'or, de la pierre. Cristal vert et cristal bleu. Tchac, deuxième partie. Ok, impeccable. Et la troisième, donc c'est la cinquième en l'occurrence, hein, forcément elle sort pas dans l'ordre. Le vert, le bleu, la pierre, l'or, l'acier. Ah, super. Allez, on recommence. Cristal bleu, cristal vert, lingot d'or, lingot d'acier. Ok, je vais plus avoir d'acier. Et de la pierre. Check. Ok. Donc j'ai fait trois boss, j'ai trois éléments de portail. On a vu que j'allais manquer d'acier. Voilà, on va tout faire. Du coup, récupérer du bois. J'ai gagné plein d'argent. On va aller acheter un peu de charbon. On va balancer les petits diablotins. On va mettre un portail. Même si c'est pas trop loin, ça fait toujours gagner du temps. Du coup, mais ils ont toujours pas détruit tout ça, quoi. Allez. Ah, voilà. Parce qu'il y a un trésor là, quand même, les gars. D'accord. Pas l'air d'y avoir grand chose d'intéressant. Une armure, un seau de verre pour le pêcheur. Bon, rien de bien. Folichon. Là, on a toujours rien. Là, on a des diamants, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, on va aller chercher le quatrième boss qui est là. Alors, par où on va rentrer chez lui? Là, il y a du charbon. Check. Par ici. Par là, ouais, par là. Voilà. Entrez par là. Ouais, il y a plein d'araignées. On va se les faire. Ah, il y a un peu de charbon ici aussi. On va récupérer un, hein. Il n'y en a qu'un petit peu, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est balancé une boule de feu tout seul comme un grand, quoi. Ok. Allez les gars. En avant. Par où il passe lui? Il
On va récupérer le charbon. Ok. Ok, ok. Bon, là aussi, on a un petit peu. Ok. On va récupérer ça aussi. Là, il n'y a pas de nitrile. Ok. Un livre de pêcheur, super. On s'en fiche. Là, ils ont fini de récupérer ou pas? Non, toujours pas. Ok. Ils n'ont pas récupéré les loot. Tout va bien. Récupérer les échafaudages ici. Ici aussi. Il reste un petit peu d'or, mais je pense qu'il n'y en aura plus vraiment besoin. Je vais récupérer les échafaudages d'ici. On va récupérer le bois. On sait jamais s'il y a besoin de faire du charbon encore. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, tu peux pas passer par au-dessus, c'est pas possible. Ok, il joue vraiment, il buzz vraiment à leur rythme. Hein. Ce soir, faut pas trop leur en demander. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Bon, ils le font déjà, ils jouent déjà comme ça d'habitude, mais là, c'est encore pire que tout. Alors, je leur donne peut-être trop d'ordre en même temps, mais bon, quand même, il me semble pas que je sois. Peut-être lancer un peu de diablotin. On va en lancer peut-être ici aussi. Attendez qu'ils veulent pas en ramener. On va ramener les loot comme ça. Et ils ramènent un bouquin. Ils ramènent un bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Un miroir décoratif, on s'en fiche. Là, au niveau des recherches, on a... je vais pas dire fini, mais en tout cas, on a fait tout ce qu'il fallait pour avoir l'équipement. Je peux peut-être tout finir à 100%. Il ouais, faut que je fasse de l'ameublement. Un totem. Minerai d'or. Ouais, j'en ai un peu besoin du minerai d'or en fait. Ça m'embête un peu. Bon, c'est que 3 minerais d'argent et des planches. Ok. Et ensuite. On va faire un lit. Ah, j'ai plus de tissu. Tissu. Ok. On va faire 5. Du coup. On va faire. Je vais faire un lit, non, on sera une table. Allez, on fait une table, ça va me valider ce niveau-là. On va essayer de tout débloquer, tant qu'à faire. Faut que ça me donne un petit succès, ça peut être sympa. Pas trop dur à obtenir maintenant. On a quasiment tout fini de construire. J'arrive pas à voir si c'est du charbon là, non. Pas de charbon. Là non plus, là il y en a par contre. Là aussi. De charbon, ok, ça c'est fait. Encore de la déco, super.
Minerai de fer, minerai d'argent, du bois. Tableau, planche, papier, teinture, clou. Ok. Encore un tableau, du bois, clous, du papier et de la teinture. Du coup, j'ai plus de papier. Voilà. Il m'a fait l'épée en or. Toi, voilà. Toi, il reste une épée en argent. C'est pas vital. Récupérer les échafaudages. On va tout récupérer ici avant de les enlever. Ils ont toujours pas creusé là. Tout va bien. Allez, voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer encore? Cage à oiseaux. Faut des planches. Là. Aiguilleur de feu, on va refaire. Voilà, on va finir le niveau. J'ai encore de l'alchimie après derrière. Flèche de glace, sort de la boussole. On va regarder un peu ce que c'est. Je connais pas ce sort. Encore de la déco derrière. Et épée en mithril. On va faire un marteau plutôt. Ok, je vais manquer de mithril. Je crois que j'ai plus de minerai en plus. Si, un petit peu. Tout petit peu. Enfin, vraiment que je trouve un dernier petit filon. Ce serait sympa. Ce serait sympa pour finir tout ça. Sinon, au pire, j'irai en acheter un petit peu, mais je crois que ça coûte quand même assez cher à la boutique. Bon, avec un peu de chance, ils vont m'en looter aussi les boss. Là, on est sur du fer. Mithril. Oh, il y a du charbon là. Plein de charbon. Plein de charbon, plein de charbon. Ok, s'ils ont envie, ils viendront là. Alors, je me ferai bien 2-3 lampes de mineur. Non, si ça suffira. On n'a toujours pas fabriqué le marteau. Casque en argent. Ok. Ok, toi t'en es où? Plus grand chose à faire. Ah voilà, technologie terminée. On va voir ce que c'est ce sort. La boussole indique la salle secrète la plus proche. Ok, donc autant là pour ce niveau-là, clairement, à mon avis, ça ne sert absolument à rien, étant donné qu'on a déjà tout découvert. Autant après pour les niveaux beaucoup plus grands,
Ça peut être très très intéressant et ça peut peut-être nous éviter de fouiller un peu partout. Parce que je sais que les niveaux, en tout cas ce que j'ai vu, le quatrième est juste gigantesque, mais vraiment. Les autres, je sais pas trop. Ce sera la découverte. Flèche de glace, on y va à fond pour faire des bouteilles. On va attendre que tout ça soit fabriqué. Voilà, pour faire un portail. Allez les gars, on y va. En avant. Voilà. Là, on a un vrai mineur. Ça va déjà aller deux fois plus vite. On va récupérer tout le charbon qui est là. Lui, il a pas fini, hein. Taper contre le mur. Il se noie pas par contre, bah, c'est du zombie. Donc c'est logique. Il reste 8 minutes. On va aller se faire ces deux-là là. Ils encombrent un peu les cages. Ouf, d'accord. Ok. Le magot se déplace pas gratos hein, avec les potions que je lui ai fait. Pourquoi il y a des bouteilles ici? C'est n'importe quoi. Les bouteilles sont fabriquées là-haut. Bon, ok. L'organisation des nains, faut pas chercher. Alors, on a dit ça. Ça, c'est quoi? Métamorphose. On peut peut-être en faire. Je peux en faire 36. Ça devrait me débloquer le niveau. On essaiera de l'utiliser, voir ce que ça donne. J'espère que ça passera pas sur les nains. Ok, il m'a fait le marteau, ça c'est bon à savoir. Alchimie maîtrise, il n'y a que ces deux potions-là que je peux faire pour avancer. On va refaire ça. Et l'autre, c'était flèche de glace. Ok, je manque de champignons gris. C'est lesquels? C'est pas ça. On va récupérer tout ça quand même. Ah, c'est peut-être ça. Récupérer tout ce qu'on peut en champi. Du bleu, ce qu'ils appellent du gris, ça doit être ça, je crois. Ah, encore un petit peu de charbon ici. Du coup, bah voilà, on récupère là le charbon. Il y en a encore là. Ok, ils ont plus de portail. On va leur mettre un portail. Bon, par contre, pas de mithril à dispo. Charpentier. J'aurais pas trouvé beaucoup de livres de guerriers quand même. Hein. Dans cette partie, ça n'a pas été. Ça n'a pas été terrible, terrible à ce niveau-là. Encore du champi. Alors, au niveau des potions, bon, ils sont en train de les fabriquer. Flèche de glace. Donc, toujours de champignons. Alors, je sais pas si c'est ceux-là et ceux-là sont les mêmes en fait. J'en ai plus, donc forcément. Je peux pas me les ramasser. Alors. Ok.
sonner l'appel. On va aller se faire ce quatrième boss. Alors j'aimerais bien qu'il me fasse la percée avant de les appeler. Ok, bah à ce rythme-là, c'est pas gagné. Voilà. Ok. Oh, ils ont la dalle. Ok. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai de la pierre déjà. Peut-être pour ça qu'ils avancent pas. On va mettre ici. On va essayer de leur mettre un peu de nourriture solide aussi quand même. Voilà, ça là j'en ai. Voilà. Table ici, table là, voilà. Là, il y a de quoi manger. Tiens, toi, tant que t'es là, récupère ça. Ou pas, d'accord. Alors, la salle, elle est là. Ok, on va sonner l'appel. Allez, go, c'est parti. Là. Un truc qui s'ouvre, alors on va essayer d'utiliser la potion de métamorphose. Je sais pas du tout comment ça utilise. Transforme plusieurs monstres en escargots. Ok. Alors, faut peut-être que je la mette dans ma barre de raccourci. Non, je ne peux pas. Ah, j'ai un livre de mage. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mon mage, il est là. Tiens. Mineur. Lui, il est à fond. J'en avais un deuxième, je crois. Mineur, quasiment à fond. Pêcheur. Tiens, on pêche. Alors, je ne sais pas comment s'utilise ce sort. Potion. Alors, c'est peut-être le mage qui l'utilise tout seul. Allez, à l'attaque les gars. Alors, on va voir si on peut en soigner quelques-uns. Toi, t'es mon guerrier, donc faut que t'y ailles. Dès que la santé est basse, ils fuient. Donc, on les remonte tous. Ils ont pris cher quand même. Ça va, lui, on va le remonter. Toi aussi. Ok. Allez, action. D'accord, il a classé. Ça, c'est chouette. Et voilà, le quatrième boss est fait. La deuxième partie du portail. Et on va enlever l'appel. Et on va aller chercher le trésor. Ok, il y a un arc, une lampe. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, grand chose. On va récupérer là, il doit y avoir du diams. Des pierres précieuses, voilà. Il y a toujours un peu, c'est toujours bon à prendre. Yes, niveau 13. Ok. Ça me fait un nouveau nain à équiper. Et j'ai pas du tout ce qu'il faut. Si, si. Pioche, pioche, pioche en fer. T'es quoi? Oh, c'est un guerrier en plus. Ah, oh, ben Mitri, il cache. Hache en argent, j'aurais pas mieux à te proposer. Botte en argent, un grand sac à dos, une meule. Voilà. Ok, donc ça marche pour les épéistes. C'est censé être pour les épéistes et ça marche pour ceux qui ont un marteau. Tout va bien. C'est pas grave.
On oublie la logique. Ah, et j'ai une attaque là-haut. Ok, tout va bien. Ok, le guerrier, tout nouveau, tout beau. Allez les gars, un petit effort. Je suis attaqué des deux côtés en même temps. Bon là, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Si, il y a eu du monde en fait. Il y a eu du monde. On va profiter d'avoir passé le niveau et récupérer toute notre mana. Ok. Et là, pareil. Bon, mais voilà, ça se passe plutôt bien. La défense a bien fonctionné. Là, de ce côté-là, j'ai même pas eu besoin d'intervenir. C'est les tourelles qui ont fait le job. Et là, elles ont fait quasiment le job. Je pense qu'elles sont un cran trop haut. Ça aurait été bien qu'elles soient un niveau en dessous. Parce que là, elles ont bien fait le taf. Est-ce que du coup, ça porte aussi à ce niveau-là? C'est possible. Le fait de faire une petite cuvette comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça marche plutôt pas mal. Allez, on va récupérer tout ça. Voilà, je récupère du cerveau de zombie à mort. On peut enlever la pelle. Ok, ils veulent de la bière. Évidemment. J'en ai. J'en ai, j'en ai. Voilà. Voilà. Faire le plein. Alors, est-ce que je peux fabriquer le portail? Non, a priori. Si, j'ai récupéré ce qu'il faut. Acier mithril. Si j'en ai récupéré du mithril. Peut-être sur un boss, c'est possible. Dans un coffre. Et le cristal violet. Yes. Ici. Donc il manquera que cette partie-là. Donc il faut aller tuer ce boss. On va récupérer les champignons qui sont là. D'accord, ils sont en train de fabriquer. Ils sont en train de fabriquer tout ça normalement. Ou pas. Je suis pas d'alchimiste. Je sais pas ce qu'il fiche l'alchimie. Ok, les diablotins, ils font le taf. Pas de problème là-dessus. Oh, j'ai mis un pire. Oh, ils sont buggés, quoi. C'est pas possible. Pas trop poser. Pas trop poser. Pas trop poser. On va tous les faire se reposer. On va manger. Faim, je sais pas. J'ai jamais su si. D'accord. Donc quand c'est plein, c'est que qu'ils ont pas faim. Ok. Donc quand c'est vide, c'est qu'ils ont faim. Bon, c'est comme la santé en fait. D'accord. Faut que je me mette ça dans la tête. C'est pas très logique. Mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que là, il y aurait trois symboles de pain parce qu'ils ont faim. Non, en fait, c'est parce qu'ils ont mangé. Bon, je sais pas si je me comprends, si vous me comprenez, moi je me comprends pas, même pas moi-même tout à fait, donc c'est pas bien grave. Ok, eux ils ont rien à faire, ils ont tout récupéré. En fait, c'est parce qu'ils ont pas d'ordre, c'est pour ça qu'ils bullent un peu. Ouais, j'aimerais bien terminer ça, la déco. La déco, la déco. Ça, c'est quoi? Minerai de fer. Du bois. Un coucou. On va faire plein. Voilà. C'est histoire juste de terminer le niveau. Après, on attaquera la déco de luxe. Et on va bien finir ça aussi. Ouais. Allez, soyons fous. Soyons fous, soyons fous.
Si je pouvais trouver un peu de mithril plutôt que d'aller l'acheter à la boutique, pardon, ce serait sympa. Mais priori, il n'y a plus grand chose. Là, il n'y a plus rien. Là, on est dans la lave, en dessous, là, par là. Il n'y a plus rien. Ok, super, j'ai fini ça. Donc il me manque ces trois là. La déco, là, je suis en pleine construction. Les élixirs aussi. Voilà, tant qu'il fabrique tout, ça va me valider le niveau. Donc je finis de fouiller un petit peu pour trouver du mithril. Si j'en trouve un petit peu, le temps qu'ils finissent les potions et tout ça pour me valider les niveaux, décidément. Et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc j'ai bientôt fini la déco. Il me manque ça. On va en faire. Ah, j'ai que une huile. Minerai de fer. J'en ai encore un petit peu. Oh, il me faut de l'huile. Ok. Voilà. Et là, normalement, j'aurai tout. Alors, je casse un peu tout ce qu'il y a là pour essayer de trouver du mithril, mais il n'y en a plus. Là, très honnêtement, j'en ai trouvé nulle part. Bon, bah, tant pis. J'ai envie de dire, tant pis, tant pis. Donc, on va s'occuper tout de suite niveau de l'équipement. Donc, toi, t'as un marteau, t'es un guerrier. J'aurais bien fait quelques potions de soins de plus. J'ai un marteau. Ok, toi, un marteau. Ça c'est bon. Niveau des armures, on est bon. Je vais me faire quelques potions de soins. Résurrection, non. Potion de soin, la mana, je suis à fond. 18 potions de soin de plus et ce sera bon. On va commencer à s'ouvrir le passage. Alors, là le passage est presque ouvert. Un petit peu de charbon. Casser ça. Casser ça. Voilà. Et ben voilà, j'ai fait tout l'arbre technologique, j'ai tout validé comme je voulais, impeccable. Il n'y a plus qu'à s'occuper du boss, à croiser les doigts pour trouver un peu de mithril, sinon j'irai en acheter à la boutique. Il n'y aura pas le choix. Donc, go, feu, action, partez. J'ai 30 minutes avant le prochain boss. Tous mes nains en santé sont quasiment à fond. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner là au niveau adversité. Donc, on va essayer de faire attention quand même. Où ils vont? D'accord, il fait tout le tour. Tout va bien encore. Ok. On va frapper à la porte. On peut l'ouvrir? Ouais, on peut l'ouvrir. Ok. Ok, super. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. On va casser ce bloc. Ok, appel. Et c'est parti. Allez, donc 2, 3. Attendre qu'ils arrivent. C'était vraiment le bazar cette mine.
des échelles partout, pas très très organisé, mais bon, c'est un peu compliqué quand on tombe sur des crevasses un peu partout. Tout le monde est là, c'est parti. J'arrive même pas à viser le boss, tout là-bas. Allez. Bon, en fait, il est pas plus dur que les autres, en fait. Yes, ça y est. Ah, bah, il y a du mithril en plus, super. Et la première partie du portail. On va regarder s'il n'y a pas des trucs à récupérer aussi. Bon, pas grand chose. Du coup, on va se fabriquer un mithril qui manque, je pense. Et la partie du portail qui manque. Et normalement. Normalement. On va voir ensemble, mais ça devrait valider le niveau. Et on aura fini cette première saison de Craft the World. Donc le premier niveau, le niveau facile. Je répète, petite map. Yes, aïe. Voilà. Invulnérable. Ok, c'est cool. Et du coup, maintenant, voulez-vous quitter ce monde? Oui. Et voilà. Mission accomplie. On part vers un autre monde. Et voilà, niveau 2 débloqué, donc de taille moyenne, monde de glace, phénomène météorologique moyen. Topographie montagne, difficulté normale, impeccable. Et là, temps de jeu, 9h13 minutes. C'est pas mal, j'espérais avoir une espèce de petit résumé, des stats ou des trucs comme ça, mais bon, finalement, pas grand chose. Ça, c'est quoi? C'est le désert, taille grande. Et ça, c'est les grottes, taille grande aussi. Il n'y a que 4 niveaux hein, pour le moment. Mais il y a déjà largement, largement de quoi s'amuser, vous avez vu, 9 heures de jeu pour faire juste la petite, petite terre de départ. Donc je sais pas combien de temps ça prend pour faire le niveau 2 et le niveau 3. Niveau 3 qui est de taille grande. Peut-être qu'on verra ça dans une prochaine saison, vous me direz si ça vous a plu, si vous voulez voir la suite ou pas. En attendant, on se laisse là et on se retrouve très bientôt. Allez. À la prochaine, ciao ciao ciao.